Iris Mittenard séparée de Diego? Sa dernière publication relance la question. Un nouveau cliché d'Iris Mittenard a fait flamber les réseaux sociaux au beau milieu des fêtes de Noël. On vous explique ça. L'actualité chaude appartient aux Miss France. Entre l'élection d'Eve Gilles et l'hommage émouvant rendu à Geneviève de Fontenay, les reines de beauté ont fait beaucoup parler d'elles ces dernières semaines. Il en va de même pour ex-lauréate du concours. Alors que la France célébrait sa nouvelle Miss, Iris Mittenard a posté une publication surprenante sur les réseaux sociaux. De la toute jeune trentenaire a pris l'avion en direction de Bali presque sur un coup de tête. J'ai eu le besoin urgent de me retrouver, de m'ancrer, de réfléchir sur la vie, d'enlever les lunettes sombres et d'apprendre à vivre le moment présent. Alors je suis parti faire une retraite à Bali, a-t-elle expliqué à ses followers en story Instagram. 3. Alors qu'elle réveillonnait avec sa famille dans le nord de la France, Iris Mittenard a publié des photos de sa retraite spirituelle sur les réseaux spirituels. L'un des clichés montre notamment la reine de beauté sur la plage en compagnie d'Isebo de la Tour, main dans la main, affichant toutes deux un sourire complice. Je vous souhaite beaucoup d'amour et de rire. Pas de traditionnel sapin, mais le ciel avait revêtu ses plus belles couleurs pour vous souhaiter une belle fin d'année, écrit-elle en commentaire. 4. Y aurait-il de la rupture dans l'air entre la jeune femme et Diego El Glaoui? La question interroge d'autant plus les internautes que certains ont remarqué l'absence de likes sur les derniers posts de la Miss Univers. Il était temps pour elle de s'expliquer. Pourquoi Iris Mittenard passe-t-elle Noël sans son compagnon? 5. Je voulais l'impression elle est célibataire, je me demande aussi, si Iesti vrai jamais avec son mec, elle porte pas sa bague de fiançailles comme dans sa dernière story, vraiment bizarre, peut-on notamment lire sur les réseaux sociaux suite à la dernière salve de publication d'Iris Mittenard. L'ex-reine de beauté s'est incrustée dans les commentaires de son propre post pour mettre les choses au clair. On a chacun nos familles à différents endroits. On essaie de partager mais c'est parfois plus difficile, je ne me voyais pas passer Noël sans ma maman et mon grand-père. Si elle n'a pas réveillé en compagnie de son chéri, si Esti aussi parce que son grand-père ne peut plus se déplacer. C'est étrange de devoir donner ce genre d'explication. J'ai l'impression d'être arrêté au poste, regrette l'influenceuse.